België houdt van Bordeaux en die liefde is helemaal wederzijds. Dat bewijzen sommelier Andy de Brouwer en chef Dominique Personen op hun roadtrip door de adembenemende wijnregio. Een reis die grenzen verlegt. Take off, flaggers. En waar passie rijkelijk vloeit. De liefde wordt bezegeld met een Belgische klassieker. Heerlijk. En beklonken met een heerlijke Bordeaux-wijn. Belgium loves Bordeaux! Good morning, early bird. Goedemorgen, snurkend schaap. Amai, zeg. In welke wijze kijk je de wakker geworden? In de wei van de Bordeleese wijngaarden. Machtig hier, hè? Zalig, hè? Hier zie, neem een stukje baguette. En een cannelé de Bordeaux. Een beetje suiker, daarvan staat het terug stevig op je benen, man. Zeg, maar vandaag moet het een beetje chill doen, hè? Beetje chill, dat gaat niet lukken, hè, man. Om je een beetje te situeren, we zitten hier in de Libournais. Op de rechteroever van de Dordogne, nabij de wijngaarden van Saint-Emilion, Fronsac en Pomerol. De kalk- en kleihoudende ondergronden, de terroir van hier, de know-how van de mensen, maakt ervan dat hier echt klasse wijnen worden gemaakt. Echte beauties. We gaan vandaag naar Fronsac, naar een van die wijndomeinen die op de finesse werkt. En hoe heet het? Château de la Dauphine. Oh my god, sounds very royal. Doe maar je cravat dan, hè? Echt niet nodig, man, want het is heel toegankelijk. Die mensen daar doen aan biodynamie. De cravat zal niet nodig zijn. Ik ga voor de natuurlijke look. En je weet wel, de liefde van de Bordelais en van de Belg, dat gaat door de maag, man. Dus wat ga jij vandaag koken voor ons? Ik doe bolletjes en tomatensaus, maar in een Frans jasje. En français, ça s'appelle des boulettes. Na zo'n beetje aan die gigantische wijntonnen zetten Andy en ik onze roadtrip verder. Onderweg zien we de hovende wijnhaarden, we horen de blije vogels. Het is hier echt waar heerlijk en ook boeiend met een hits als Andy aan mijn zijde. Bonjour. Amai, zeg. Prachtig hier, hè? Schoon, hè? Welkom in Fronsac. Hier was kardinaal de Richelieu ooit de hertog. En hij en zijn neef die zorgden ervoor dat de wijnen van Fronsac een stevige reputatie genoten. In een tijd, in de 18e eeuw, moesten ze serieus dineros hebben om de wijnen te kunnen betalen van Fronsac. Maar de dag van vandaag komen ze helemaal uit de schaduw van de andere grote herkomstbenamingen uit de regio. En zeker nu dat Les Petits Belges hier zijn gepasseerd, komt dat dik in orde. Die Petit Belge hier gaat commissies van doen, vindt. Bordeaux is big. De grootste wijnregio van Europa. Meer dan 6000 domeinen. Grote, kleine, familiale, historische. In alle geuren en kleuren. En die diversiteit, dat maakt Bordeaux net zo interessant. Vandaag, Château de la Dauphine. Het ruikt hier naar de historiek van Fronsac. En aan het hoofd een directrice. I just love Bordeaux. Stéphanie, je suppose. Oui. Enchantée. Enchantée. Quand on se promène dans ce parc avec les murailles, le château, les vieux arbres, c'est comme si que l'histoire reprend une vie. Il date de quand, ce château? Alors, le château de la Dauphine date de 1747, comme les arbres qui sont derrière, qui sont des lichenambars, qui viennent de Turquie. Donc ce château date de 1747, il a été construit par un avocat, Jean de Richon, qui était avocat à la cour de Versailles. Bien. Donc c'est pour ça qu'on est très lié avec Versailles, puisque la Dauphine de France est venue séjourner à la Dauphine, c'est pour ça que le château s'appelle la Dauphine. Par contre, vous êtes femme et directrice de ce château, vous êtes donc à la tête de ce domaine, vous avez les rênes en main. Comment ça se passe-t-il tous les jours dans le quotidien d'être femme et directrice d'un château de cette envergure? Vaste question. Comment ça se passe, que ce soit un homme ou une femme, je pense que c'est pareil. C'est un métier passionnant parce que le raisin est un produit assez intéressant qui nous réserve des surprises tous les ans avec la nature. Et puis on travaille dans un cadre magnifique, idyllique,
Voilà, c'est la nature qui va vous guider. J'ai vu un très très beau petit mur là qui longe les vignes, un peu comme un clos. Est-ce que l'entièreté de la propriété des vignes se trouve dans ce mur ? Non, nous avons 12 hectares qui sont dans ce clos. Et ensuite, nous avons le reste, parce que nous avons 53 hectares, qui est sur des coteaux et un plateau. Voilà, c'est une assez grosse propriété. C'est une grande propriété, tout à fait. Et l'histoire m'a raconté qu'au 18e, les vins de Fronsac et des canons Fronsac étaient les vins les plus réputés, l'appellation la plus réputée de toute l'appellation de bordelaise. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, ces appellations de Fronsac et canon Fronsac ont retrouvé leur réputation qu'ils méritaient dans le temps ? Oui. Oui, depuis une dizaine d'années, Fronsac et canon Fronsac ont retrouvé leur lettre de noblesse. C'est aujourd'hui des vins d'un très bon rapport qualité-prix, avec une majorité de Merlot, ce qui apporte des vins qui sont très accessibles, faciles à boire, mais avec une grande garde, puisqu'on est sur des très grands terroirs. Wel, Andy, mocht je kunnen ruiken wat dat kit nu ruikt, dan weet je zeker dat ik op een goede wei zit. Ik ben hier toegekomen in Ferme Autrey van Didier. En dat is de man die het magische zwarte varken heeft van de regio, Pornoir Gascon. En ik denk dat dat ideale vlees gaat zijn voor mijn balletjes in tomatensaus. Bonjour. Hey, bonjour. Dominique, enchanté, Didier, ça enchanté. Va? Bien, vous. Ah, super ici, hein? Quel silence! Je vois des chats? Ah oui. Et des chevaux? Des cochons, des chèvres, des brebis, des chevaux, de la volaille. Un peu de tout. Assez pour vivre sans trop faire de course. Mais vous êtes commencé ici? C'est une tradition de la famille, la ferme? Ou... Oh non. J'ai racheté ici il y a 6 ans, 7 ans. Et c'est une ancienne ferme, mais il n'y avait plus d'activité agricole. J'ai grandi à la ferme, et puis après, ben, je suis parti courir le monde et l'argent, comme tout le monde. Mmh. Je suis revenu à mes premiers amours, la nature, la campagne. Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de voir les cochons ? Oui. On va aller très curieux. Raven is a wicked bird, his wings are black as sin. Coucou les filles. Et les mémères, tu viens de dire bonjour ? Allez, tu viens. Tu viens dire bonjour ? Allez, tiens. Ça, c'est la maman. Ça, mm-hmm. C'est la fille. OK. Bouboune a 4 ans et sa mère a 6 ans. Bientôt 7. C'est le porc noir et c'est quoi qui est typique pour cela ? C'est un animal à l'origine qui est sauvage, comme le sanglier. OK. Et qui se nourrit comme le sanglier. Donc avec une alimentation très pauvre. Mm-hmm. Ça fouille le sol, ça mange les racines, les vers de terre. Ça mange les écorces. Ça sort les écorces, ça cherche les vers blancs en dessous. Oui, oui. Voilà, donc ça a une alimentation pauvre. Voilà. Si on veut élever le porc gascon en respectant la race et le goût particulier, cette saveur particulière, ben, il faut respecter son équilibre alimentaire d'origine. Donc on est sur une alimentation très pauvre en protéines. On ne cherche pas ce qui grandisse vite ou qui prenne du poids très vite. Ils n'ont pas beaucoup de graisse alors ? Non, il n'y a pas de graisse. Alors nous, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de graisse. D'abord, ça, ce sont des reproductrices. Ce sont des femelles qui ont une portée par an. Si elles ont trop de gras, ça empêche la portée de venir dans les bonnes conditions. Donc il faut qu'une truie fasse 160, 170 kilos. Et comment ça se fait que tu as tellement de respect pour les animaux ? C'est dans ton cœur ? C'est peut-être dans mon cœur et c'est peut-être à force d'avoir côtoyé tellement de gens qui ne pensent qu'à des choses trop superficielles. Mmh. Mais parce que le monde les aide à penser ça. Et j'ai eu envie de me rapprocher plus des animaux parce que la pensée est plus sincère. Manger moins de viande, mais de la bonne. Oui, il vaut mieux. Ouais. Je veux le cuisiner avec beaucoup de respect. Je pense que c'est important. Et au cœur de Saint-Émilion, je vais faire un plat typique pour la Belgique. Ce sont des petites boulettes de viande avec la sauce tomate, mais avec une touche française,
Oui. Avec la crépinette. Ah oui. Vous avez de la crépinette ici? Oui, on a de la crépinette. Mmh. Et ça tombe bien, je crois qu'on a de la viande hachée de porc noir. Super, super. Vous êtes gâtés, hein? La Dordogne, le château, on est là sur un très beau coteau, sur un plateau. Alors expliquez-moi un petit peu toute cette situation climatologique. Qu'est-ce que ça a comme influence sur les vins et sur le terroir? C'est vrai qu'il y a une influence climatologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur une conception amphithéâtre avec le fleuve, la Dordogne, qui nous, le premier atout, c'est de nous protéger des intempéries, de la grêle, du gel, du vent, de la pluie, des fortes pluies. Alors nous sommes dans une région où on retrouve du Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, où on fait des vins puissants, des vins de garde. Quelle est la situation particulière pour le château de la Dauphine? Donc aujourd'hui, on est sur 85% de Merlot et 15% de Cabernet Franc. Au niveau du terroir, on est sur un bas de côte avec du sable limoneux, puisqu'on est proche de la Dordogne. Sur la Dordogne. Exactement. Ensuite, sur les coteaux, ça va être de l'argile calcaire. Et ensuite, les plateaux sont des calcaires astéries. Voilà, donc on a différents terroirs. Donc vous avez aussi des différents vins et vous pouvez assembler d'une autre, tout à fait, d'une autre façon. Exactement. Alors la biodynamie, concrètement, c'est quoi qui change dans la vigne? C'est quoi les actions que les travailleurs doivent faire? Au niveau du sol, soit on enherbe, soit on laboure, soit on sème des plantes, des légumeuses. Au niveau des traitements, pas de pesticides, un peu de cuivre, un peu de soufre et beaucoup d'huile essentielle, de talc, de silice. Voilà. Un peu d'huile de bras. Oui, et ce qui est important, c'est l'anticipation, regarder sa vigne dans son environnement. C'est du bon sens paysan, voilà, vraiment. Stéphanie, je constate beaucoup de bois, donc on est là dans le chai. On voit un chai classique bordelais avec les barriques bordelaises de 225 litres, mais on voit aussi l'arrivée des amphores dans votre cave. Quel est le but avec ces engins-là? Alors, tout vient de la biodynamie. On a fait un tel travail à la vigne. La biodynamie, l'expression dans le vin, c'est le fruit. Et on s'est posé à l'élevage, qu'est-ce qui pouvait justement sublimer ce fruit? Et les amphores en font partie. Ils ont la même fonction qu'une barrique, c'est-à-dire qu'avec de l'oxygène, mais il n'y a pas le goût du bois. Donc ce qui permet de laisser... Le fruit s'épanouir. Exactement. Je crois que dans le futur, on va voir beaucoup plus d'amphores et de moins en moins de bois dans vos caves. Tout à fait. En tout cas, la Dauphine, c'est le but, c'est d'arriver à réduire le bois réduire pour le pouvoir bois. Remplacer par des alternatives, tout en gardant toujours le bois, bien sûr, parce que c'est encore important d'en avoir. Voilà la marchandise. Je te montre, Dominique. La viande hachée. J'ai fait un haché d'épaule et d'échine. OK. D'accord. Mmh. Pour obtenir la viande la plus tendre possible. Tiens, Dominique, ça, tu n'auras pas besoin de le cuisiner. Okay. C'est du saucisson que nous faisons ici. Super. Que du porc noir, que du joli gras, très peu. Parfait pour l'apéro. Oui. Des machten, de philosophie van DJ. Hij volgt de natuur en niet omgekeerd. Ik ben oprecht blij dat ik met zulke pure producten mag koken. En ik ga dat doen in Saint-Emilion, op verzoek van mijn copain, Andy. Bon, Andy, is je weer te laat, je vindt? Ik zie hier al in Saint-Emilion. Ik kon hier nog een keer de toeristentang mee. Kan ik hier een ritje doen met een megamachtige tuk-tuk. Ici, nous avons une belle vue sur le plateau de Saint-Emilion qui est en forme de fer à cheval. Et au milieu, en bas, on a une combe, un bassin qui a été naturellement formé par l'érosion il y a des milliards d'années. Mmh.
Mesdames, messieurs, à 5 heures, tournée générale, boulettes aux sauces tomates. Tout le monde bienvenue. Bon, ik denk hier op dat heuveltje dat ik hier de perfecte plaats heb gevonden om te koken. Andy, ik ben klaar. Kom maar op, maar je weet niet met. La thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment la nature, le sol vivant, la biodynamie, parce que notre chef privé, il est parti visiter un producteur de porc. Tout à l'heure, il va ramener de la viande hachée pour en faire des boulettes, parce qu'une des spécialités belges, c'est les boulettes sauce tomate. C'est un grand classique. On va goûter ça avec vos vins. Alors, on va décider quel millésime on va utiliser et si l'accord pourra se faire sur ce mets-là. On les goûte? Avec plaisir. D'abord le 15. On commence par le 15. Grand millésime dans la ligne du 10 et du 5, qui est un millésime aujourd'hui très structuré, élégant, avec beaucoup très racé, mais qui demande aussi beaucoup de temps, avec une quinzaine d'années de garde, voire une vingtaine d'années de garde. Mmh. On sent quand même ce potentiel, comme on dit, on sent qu'il en a sous le pied, si vous préférez. Il y a de la matière, hein. Pouh, quelle concentration. Ben, c'est un très grand millésime 2015. Mais par contre, c'est un millésime qui a besoin de beaucoup de temps. C'est un millésime de garde, à la Dauphine encore plus, parce qu'on est sur un vin de garde. C'est vrai qu'on a des arômes qui sont très reconnaissables pour le vignoble bordelais. Et que là, on a une matière, une concentration qui reflète un peu le millésime. C'est un millésime gourmand, une corbeille pleine de fruits, les fruits noirs, la mûre. Un peu réglissé tout de même, parce qu'il y a une petite influence du bois, on ne peut pas le négliger. C'est vrai. On peut aussi goûter à côté le 2012. Le 12, comme ça on peut les comparer. En tout cas, ici, l'évolution nous permet de humer des arômes un peu plus évolués déjà. On arrive sur un petit clin d'œil confit, on a déjà un peu de figues, on a les épices qui s'accentuent. Une petite note de torréfaction peut-être. Tout à fait, j'aurais dit café, oui, chocolat aussi, chocolaté. Voilà, le côté un peu torréfié. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le 12 pour les boulettes sauce tomate? Moi, je serais plus sur la complexité du 12. Entièrement d'accord. Hoe fantastisch is dat niet? Koken op de heilige grond van Saint-Emilion. En we gaan voor een Belgische klassieker, bouletten in tomatensaus, maar besteed in een Frans jasje, in crepinet. Nu, het eerste dat ik ga doen is met tomatensaus. En ik ga beginnen met een paar uitjes te schillen en fijn te snippen. Nu gaan we onze uitjes aanstoven. We gaan dat niet in olijfolie doen, maar in boter. We gaan voor een mooie, goede klomp Belgische boter. Mijn uitjes die mogen erbij. Ondertussen ga ik mijn lookpan. Voilà, die look mag er ook bij. Nu ga ik mijn tomaatjes grof snijden. Ik heb de pijl er al afgehaald. Qu'est-ce qu'on mange? Des boulettes sauce tomate. Wow. Classique en Belgique. Ah ouais. Mais avec une touche de France, avec la crépinette. La crépinette. Tomaatjes zitten erin. Ik heb hier heerlijke verse basilicum. Kruidnagel, mag er ook bij. Twee laurierblaadjes. En nog een beetje thyme. Hallo, hallo. Bon. Est-ce toi? Ja. Van we zien er? Van oh, hier. Ja. Mea, Maarten, amai. Natuurlijk, kom. Een foto, ja. Ik ga het trekken. Ja, dat is... Amai, dank u wel. Goed, ja, voilà. Super. Kijk, bij een overtje, bolletjes en tomatensaus en crepinet. Welkom. Dank u wel. Tot dan, hé. Ja. Hallo. En ondertussen ga ik beginnen aan mijn gehaktballetjes. Ik ken een machtige kerel leren kennen, de DJ. Super lekker gehakt, van het zwarte varken. We gaan daar een eitje aan toevoegen. Peper. Zout.
En we gaan voor de bending daar een beetje chapelure aan toevoegen. En nu juist nog mengen, hè. En last but not least, nog een beetje nootmuskaat. Onze crepin hebben we geweekt in water. En nu gaan we die velletjes mooi openleggen. Holy water, come down. De balletjes zijn klaar. Nog een keer mijn saus afwerken. Heel belangrijk, laurier moet eruit. De room mag erbij. En het enige dat ik nu nog moet doen, zijn mijn balletjes aanbakken. Uiteraard in een stukje boter. Een beetje zout. Peper. Ah, qui voilà! Ah, je t'ai ramené deux choses. Oui. Du vin et Stéphanie, la directrice. Bonjour, Dominique, enchanté. Enchanté. Zeg, mateke, je bent nogal een chanceur, man. Hier kunnen koken, met zo'n zicht. Maar nous, on a ramené du patrimoine liquide. OK. On a ramené du vin. Finalement, on a eu le choix, l'embarras du choix, entre deux millésimes. Le millésime 2015 et le millésime 2012. Mm-hmm. Donc, on a choisi pour un vin qui était un petit peu plus mature, qui avait un petit peu plus d'épaule. Okay. Et quelque part, déjà, un peu plus de complexité, parce qu'on croit que, en général, tu épices bien tes boulettes, bien n'est-ce sûr. Pas? Donc, on a besoin d'un vin qui tient un peu la route. Allons-y. Santé. Santé. Seigneur. Super. Une classe bacane. Et je crois que maintenant, on peut inviter les gens voilà. à passer à table. On commence le service. On commence le service. Hop. Madame, je peux vous inviter? Allez, à gauche, un à la droite. Allez, on vous invite. On passe à table. Messieurs, dames, est-ce qu'on peut vous inviter pour manger une petite boulette sauce tomate? We would like to try it. Oh, English, of course. We're in Saint-Emilion. It's very international. Monsieur, dame, je peux vous inviter pour une petite soupe. Et ah, mais c'est en Belgique. C'est en Belgique. Voilà, voilà. Neem maar plaats. Voilà, voilà. Madame, prenez place. Voilà, la hôte de la journée, Stéphanie, qui nous a invités dans son château. En, c'est bon? Ça vous plaît? Très bon. Très bon. Est-ce en ordre? Tu n'es ni offrant, hein? Ah, ja, ok. Allez, on a porté un petit toast. Mm-hmm. Je propose de porter un toast à la biodynamie, à la bioculture. Vive Bordeaux, vive la Belgique et vive toutes les personnes qui sont là de toutes les nationalités. C'est formidable d'être ensemble. Salut! Santé! 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 Comment on dit santé en chinois?